Voici des étapes essentielles pour le bon déroulement de votre examen en ligne sur Moodle ou Moodle Exam. Ces différentes étapes peuvent prendre quelques minutes, c'est pourquoi nous vous recommandons de vérifier les dispositifs en avance pour ne pas perdre de temps pendant l'examen. Pour commencer, vérifiez que votre navigateur soit à jour. Sous Google Chrome, cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis sous Aide, et enfin sous À propos de Google Chrome. Votre navigateur vous indiquera s'il nécessite une mise à jour. Sous Firefox, cliquez sur les trois petits traits en haut à droite, puis sous Aide, et enfin sous À propos de Firefox. Votre navigateur vous indiquera s'il nécessite une mise à jour. La deuxième étape consiste à vérifier que JavaScript est bien activé. Dans Firefox, il n'est plus possible de désactiver simplement JavaScript. Ce dernier est par défaut activé. Si vous avez manuellement modifié les paramètres avancés de votre navigateur concernant JavaScript, n'oubliez pas de le réactiver. Dans Chrome, cliquez sur les trois petits points, puis sous Paramètres. Sous Confidentialité et Sécurité, cliquez sur Paramètres du site. Vérifiez qu'il soit écrit Autorisé sous JavaScript. La prochaine étape consiste à vider le cache de votre navigateur. Sous Chrome, cliquez sur les trois petits points, puis sur Paramètres. Sous Confidentialité et Sécurité, cliquez sur Effacer les données de navigation. Cliquez enfin sur Effacer les données. Sous Firefox, cliquez sur les trois petits traits, puis sur Options. Sous l'onglet Vie privée et sécurité, cliquez sur Effacer les données. Cliquez à nouveau sur Effacer. Certains des problèmes rencontrés peuvent être résolus en utilisant un autre navigateur. C'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer les étapes précédentes sur au moins deux navigateurs différents, comme par exemple Chrome et Firefox.